Demain midi, on arrête, et puis maintenant, c'est le flux qui nous attend pour moi. Ça va? Mais Gérard sera là aussi. Je demande à Gérard de déployer aussi ces éléments. Donc ça, c'est des constructions en argile. Oui. Monter les cabines. Ok. Il y en a autour de nous, n'a plus de. Il y a une partie qui n'a pas, mais. Ça a coupé les transports et hop, le feu a pris. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On l'a éteint de. On l'a éteint de. Par les pompiers ou rien que les équipes? Rien que les équipes, l'attention. On a des disjoncteurs, en fait, on a des interrupteurs, voilà. Des sectionneurs à l'extérieur et à l'intérieur. On coupait le. On les a coupés, malheureusement. Et le feu, comment on l'avait. On l'a éteint. Le feu, il a fini par s'éteindre parce que ce n'est pas des grands équipes. Donc il y avait aussi des extincteurs, donc c'est ici, ça c'est l'arrivée du tronçon numéro 1, c'est ici que tout a brûlé. Et par contagion, ça a brûlé le reste ici, donc vous avez... Et qu'est-ce qu'il y avait ici? Il y avait des choses avant, non? Oui. Il y avait donc le... Il y avait un contrat. Le disjoncteur. Ça a complètement brûlé. Ça c'est pas du mal. Ça sont les industries. Oui, ça va vers les cassines. À partir d'ici, on va vers des cabines. Okay. Donc actuellement, Bralima, Bras Congo, sont sans. Parce que tout ça a brûlé. On a 7, donc on a isolé les 7. Et demain, quand on remet le transfo numéro 1, on va reprendre tout le reste. Ouais. Sauf celle-ci, où le long du mur, on va construire une rigole. Voilà, pour permettre que quand l'eau rentre en grande quantité, elle puisse ruisseler vers l'avant. On a des puits. C'est ça qu'on va faire. C'est bloqué, donc ça revient et ça. On s'en fout. C'est quelle, c'est laquelle d'ailleurs? C'est la grande là? Ou bien la petite? C'est surtout la grande. Mais c'est la grande aussi. Mais cette zone-ci, en fait, c'est la servitude. Voilà. Ici, c'est 220 000 francs. C'est-à-dire que ceux qui habitent ici, les anciens et les personnes qui viennent là, ils sont dans le champ magnétique en permanence. Et vous voyez, on a le même phénomène. Des terrains qu'on doit venir et laisser libres. Normalement, c'est la ferraille. C'est dangereux. Dès que c'est propre, les sorciers vont venir. On peut faire juste un couloir où il y a des eaux. Oui, mais le couloir est là, la rigole est là. C'est-à-dire qu'ici, effectivement, on peut le voyer complètement. Parce qu'en fait, on est sous tous les murs. Ouais. Mais si on le prenne dans l'état actuel. Ouais, il commence à y aller un peu. On vient au-dessus de tout. Sans aucune autorisation. Mais bien sûr. Même la nuit, il se fait. Des fois, des fois. Sans être à dame. Mais quand ça se commence avec des fondations. Il faut les arrêter. Parce que là, quand c'est construit, il y a la destruction méchante. Non, il faut détruire. Il faut détruire. Il faut détruire. Voilà maintenant ce qui est arrivé à la...
Bassène à cause justement de ce genre de construction. Alors nous, on doit faire de mettre des sentiments là où des gens sont complètement impitoyables et causent des dégâts à des centaines de milliers de foyers. Mais voilà. Les engins étaient là ce matin. Au nom de quoi? Voilà. Et des sanctions, oui. Des sanctions, oui. Parce que ce sont des gens qui ont fait tellement de dégâts. Ouais, ouais. On ne peut pas passer sous silence. Non, c'est un bon. C'est souvent ces fameux, comment on les appelle, les conservateurs. C'est souvent eux qui sont à la tête de réseaux mafieux. C'est quoi quand vous avez signé l'ordonnance sur le un seul portail pour avoir une de responsabilité, de responsabilité. Oui, parce que ça risque même d'avoir un effet boomerang sur ses propres personnes. Ils ont des familles, ils ont des. Donc ils peuvent pénaliser même leur famille à cause de ces constructions qu'ils autorisent. Il y a des dégâts et puis des membres de leur famille sont en train de faire.